Ouais, soulagé, c'est clair, et c'est une victoire très importante, comme tu dis, parce qu'on sort de deux déceptions à l'extérieur, une à La Rochelle et la dernière, c'était contre Sorgue. Donc là, à la maison, on voulait vraiment, on se donnait à cœur de gagner ce match. Et ouais, voilà, donc ça les soulagé et satisfait. C'est avec la défense, et surtout comme le coach l'a dit dans les vestiaires à la fin du match, on n'a pas perdu beaucoup de ballons de tout le match. Fait que même si on marquait pas, on n'a pas beaucoup d'adresse sur le match en général, même si on marquait pas forcément l'attaque, et après, bah on perdait pas le ballon, ce qui faisait que ça ne créait pas de contre-attaque pour l'équipe adverse. Et après, c'est notre défense, comme d'habitude, qui est devenue maintenant notre entre guillemets marque de fabrique, comme j'ai dit. Et ouais, c'est grâce à ça qu'on a réussi à rester dans le match. Prendre des gros rebonds à la fin de Leslie, qui prend un gros rebond défensif sur trois joueurs, des gros rebonds de Toto, je me souviens, de tête comme ça. Et c'est, ouais, c'est vraiment la défense, c'est rebond à 5, tu vois. Solidarité, on est toujours solidaire entre nous. Même dans les défaites, on est toujours ensemble, on s'encourage toujours, tu vois. Mais après, ouais, c'est sûr, c'est toujours un facteur important dans une victoire. Mais on n'a jamais été désolidarisé à aucun moment, même quand on a fait deux défaites d'affilée, on est toujours resté ensemble. Et ouais, c'est... L'esprit de conquérant, comme tu l'as dit, il faut vraiment qu'on se relâche, il faut qu'on reste solidaire, il faut qu'on reste ensemble. Qu'on se concentre sur les choses simples, sur notre jeu à nous, il faut qu'on retrouve du rythme, il faut qu'on retrouve ce plaisir qu'on a à jouer ensemble. Et comment on les aborde comme tous les matchs, hein. On sait que c'est des matchs, chaque match va coûter cher maintenant, donc on n'a pas vraiment droit à l'erreur, et surtout à la maison. Donc on va les aborder avec beaucoup de sérieux et voilà. Ce championnat, tout peut arriver. Donc il suffit de faire une série de victoires et voilà, on saute de 2-3 places et maintenant on est playoffable. Après, est-ce qu'on regarde devant ou derrière? Moi je dirais plus qu'on prend chaque match comme il vient, tu vois, un match à la fois. Donc on fait pas trop de calculs, se dire oui, si on gagne ce match-là et le match d'après, on prend vraiment chaque match comme il vient et voilà. C'est la meilleure façon d'aborder les matchs, à mon avis.